سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاعلموا يا عباد الله أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. قد جاء في الأثر الإلهي أن الله سبحانه وتعالى يقول: يا ابن آدم اطلبني تجدني، ابن آدم اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء. ابن آدم اطلبني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء. Dans un hadith qui a été rapporté, que le prophète alayhi salatu wa salam a dit: certes, Allah subhanahu wa ta'ala dit ô fils d'Adam, cherche-moi, tu me trouveras. Ibn Adam, atlubni tajidni, cherche-moi, tu me trouveras. Et si tu me trouves, tu auras certes trouvé, tu auras certes tout trouvé. وَإِنْ فُتُّكَ فَاتَكَ كُلُّ شَيْءٍ. Et si tu me rates, tu auras alors certes tout raté. هذا الأثر الإلهي الذي روي يدلنا على ماهية هذه الحياة وعلى سعادة المؤمن في هذه الحياة وفي هذا الوجود وعلى حقيقة الوجود في هذه الأرض. Donc cette phrase et ces mots nous montrent quel est le but, quel est l'objectif, et comment le fils d'Adam va pouvoir être heureux dans cette vie. الإنسان مخلوق والمخلوق ناقص والله عز وجل هو الخالق والخالق كامل. L'homme est une créature, et la créature est par définition même imparfaite. Allah tabaraka wa ta'ala est le créateur, et le créateur par définition même est la perfection. فيبحث الناس يمينا وشمالا، يبحث الناس عن السعادة في الدنيا، ولن يجد السعادة إلا في الكمال. Les gens cherchent le bonheur dans cette vie. La vie de l'homme, de l'être humain, n'est que la recherche du bonheur. Et l'imparfait ne trouvera son bonheur que dans le parfait. الناقص لا يجد كماله إلا في الكمال. لأنه مهما سيبحث ولن يجد الكمال سيبقى ناقصا، فسيبقى شيء في قلبه ناقص ولن يكون سعيدا تمام السعادة. Parce que tant qu'il est imparfait et il cherche le parfait, s'il ne trouve pas la perfection, il va rester imparfait. Et dans son cœur, il va avoir un manque. فلذلك قال العلماء والسلف الصالح والزهاد من هذه الأمة وغيرها أن الإنسان لن يجد سعادته إلا في الله وإلا لله. Que l'homme ne trouvera son bonheur qu'en Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque le cœur du serviteur est rempli de l'amour d'Allah azza wa jal, est rempli de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque le cœur du serviteur est rapproché d'Allah Azza wa Jal, فَيَعِيشُ لِلَّهِ وَيَعِيشُ فِي اللَّهِ وَلَا يَعِيشُ إِلَّا لِلَّهِ.
Il ne va vivre alors que pour Allah. Il ne va vivre Allah que en Allah, subhanahu wa ta'ala. Il ne va vivre que pour l'adoration d'Allah, subhanahu wa ta'ala. وَيَبْلُغُ بِذَلِكَ دَرَجَةَ الْإِحْسَانَ فِي الْعِبَادَةِ فَيَعْبُدُ اللَّهَ كَأَنَّهُ يُشَاهِدُهُ. Il atteindra alors le degré de la perfection spirituelle, qui est le fait d'adorer Allah, subhanahu wa ta'ala, comme si qu'il le voyait. Non pas par sa vision oculaire, mais par son cœur. أما الإحسان فقال من دراه أن تعبد الله كأنك تراه إن لم تكن تراه فإنه يراك والدين دي الثلاث فخذ أقوى عراك. La perfection spirituelle, le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme si que tu le voyais. À partir du moment où le cœur est rempli de l'amour d'Allah et ne pense qu'à Allah et ne fait les choses que pour Allah azza wa jalla, à ce moment-là, l'être humain trouvera alors son bonheur, car il a alors trouvé la perfection en son Créateur dans cette vie. Hada fi dunya. Fa anta ya Abdallah, laka min hada al-kanz al-azim, ma tastati'u an takuna as'ada an-nas fi hadhihi ad-dunya 'ala al-itlaq bi'imanika billahi wa yaqinika billah. Tu peux être ô musulman, ô serviteur musulman, l'homme le plus heureux sur cette terre. Même si tu es pauvre, même si tu n'as pas d'argent, même si tu n'as pas de bien matériel. Mais la richesse, c'est la richesse du cœur. Et c'est la dépendance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'être indépendant de toute autre chose. Toute autre chose. إنما الغنى غنى النفس. Tu seras alors le plus heureux. Qu'est-ce que tu cherches alors auprès des autres? Qu'est-ce que tu cherches lorsque tu vois les autres chercher leur bonheur dans l'argent ou dans les femmes ou dans les voitures? Ils cherchent leur bonheur désespérément, mais ils ne le trouveront jamais. Pourquoi? Parce que toutes les choses qu'ils recherchent sont des choses imparfaites. Il a de l'argent, il en veut plus. Il a de l'or, il en veut plus. Il a une voiture, il veut une autre. Il a une femme, il en veut une autre. Naam. Parce que son nefs, son âme, ne se suffit pas. Pourquoi elle ne se suffit pas? Parce que la chose qu'il cherche est imparfaite. Mais lorsque tu trouves Allah subhanahu wa ta'ala, tu as trouvé la perfection et tu te suffis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Wa qad qala ba'du salafi wa ruwiya dhalika an Ibrahim al-Adham. إبراهيم بن أدهم من السلف الصالح أنه قال أحدهم لو علم أو لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه من السعادة لجلدونا عليه بالسيوف. Un parmi les pieux prédécesseurs et parmi les ascètes de cette communauté, il disait: certes, si les rois et les fils des rois savez dans quel bonheur nous sommes, c'est-à-dire le bonheur de la foi et de la connaissance d'Allah Azzawajal, il nous frapperait pour cela, et nous fouetterait et nous frapperait avec des sabres. Voilà qu'il la ya'lamou, mais ils ne savent pas. Fa'anta ayyuha al-muslim, toi ô musulman, lorsque tu appelles autre que toi, c'est-à-dire le non-musulman vers l'islam, sache que tu as avec toi le trésor des cieux et de la terre. Que tu as avec toi le bonheur de cette vie et de l'au-delà. Et celui qui est devant toi, miskin, il est pauvre, il n'a rien. Il pense avoir quelque chose, mais il n'a que des choses et des biens matériels. Ce n'est que de l'apparence. Ce n'est que de l'ornement, mais il ne le sait pas. Fashfiq alayh. Aie pitié de lui. Comment tu vas avoir pitié de lui en l'appelant vers Allah Azza wa Jalla? ادعوه الى الله عز وجل كما قال الله عز وجل وادعوا الى ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. ثلاثه امور, trois choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité
dans le fait d'appeler vers Allah Azza wa Jal. Wad'u ila sabili rabbika bil hikma. Première chose, par la sagesse. Fatabda bil aham fal aham. Comme on avait cité dans le khutbah précédent, tu commences par la chose la plus importante, puis la chose la plus importante. S'il ne croit pas en l'existence d'Allah, tu commences par l'appeler vers l'existence d'Allah. Faqat, c'est tout. S'il ne croit pas au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais il croit en Allah l'unique, tu l'appelles vers la croyance au prophète sallallahu alayhi wa sallam et au Coran, etc. Bil hikma. والموعظة الحسنة وقال الطبري وغيره الحكمة أي بالوحي. Certains ont dit الحكمة dans le verset c'est la science et la révélation. نعم لابد من العلم حتى تدعو إلى الله. Il te faut de la science. نعم ne serait-ce qu'un peu de science et certaines règles pour pouvoir appeler vers Allah عز وجل. قال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. Dis, certes, c'est mon sentier. Mon chemin, c'est-à-dire l'islam. J'appelle vers Allah. Premièrement, l'ikhlas, la sincérité, tu le fais pour Allah. Ad'u ila Allah. Ala basiratin. Ala basiratin, et ala ilmin. Avec de la science. Ad'u ila sabili rabbika bil hikmati. Wal maw'idati al-hasana. Al maw'idati al-hasana. Et avec la bonne exhortation. بالحكم والعبر والحجج avec des arguments, avec de la logique, avec des exemples, comme Allah subhanahu wa ta'ala a fait dans le Coran et nous a dit dans le Coran des exemples, des métaphores et des images afin d'appeler cette personne vers l'islam. والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وتجادله بالتي هي أحسن, c'est-à-dire que tu vas débattre avec lui. Adam yusamma bil jidal wal jidal wa ilmun. Le débat, c'est une science en tant que telle. Ce n'est pas n'importe qui sait débattre dans la religion et débattre en général. Il te faut d'apprendre certaines règles concernant le débat. فإن خرج عن الموضوع ترده إلى هذا الموضوع حتى يصل إلى هذا الموضوع وإلى هذه النتيجة فإن أقر إليك أو لك بهذه النتيجة فحينئذ تنتقل إلى غرض آخر إلى أن تصله إلى ما تريد. Le débat et la science du débat, c'est quelque chose de utile. Pour que ce soit utile, il faut que tu appelles la personne et tu le pousses à affirmer une chose. Et tu ne changes pas, tu ne sors pas du sujet. S'il veut sortir du sujet, tu reviens dans le sujet. Et tu lui dis, tu reviens dans le sujet jusqu'à qu'il affirme cette chose. Une seule chose. La première, la première introduction. Ensuite, tu passes à la suite, jusqu'à que tu arrives à ton objectif, qui est le fait de lui faire comprendre que tu es dans la vérité et qu'il est dans le tort. Naam. Ilm al-jadal. Wa fi hadha al-ilm la budda min al-adab. ولذلك قال الله وجادلهم بالتي هي احسن. Et dans cette science, dans le débat en général, il faut un bon comportement. Il faut avoir le bon comportement. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla a dit وجادلهم بالتي هي احسن, et débat avec eux de la meilleure des façons. De la meilleure des façons, c'est-à-dire avec comportement. Naam, avec des bonnes paroles. Tu le laisses parler, tu l'écoutes, ensuite il t'écoute, et surtout tu ne lèves pas la voix. Tout ça, c'est des bonnes façons pour appeler vers Allah subhanahu wa ta'ala. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنِ وَتَكِلُوا بَعْدَ ذَلِكَ الْأَمْرَ إِلَى اللَّهِ. Ensuite, tu laisses toutes les choses vers Allah subhanahu wa ta'ala. أَنْتَ تَقُومْ بِالْأَسْبَابِ. Toi, tu prends les causes. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala. هُوَ الَّذِي يَهْدِي وَهُوَ الَّذِي يُضِلْ. C'est lui qui guide et c'est lui qui égare de son chemin. نَسْأَلُ اللَّهَ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واتبع هداه وبعد. فأنت إذا دعوت هذا الإنسان إلى الله لا بد أن يرى منك أنك حريص جد حريص على هدايته. Il faut qu'il voit première chose. Là, c'est certains conseils qu'on va donner dans le fait d'appeler les non-musulmans vers Allah Azza wa Jalla. Il faut premièrement qu'il voit de toi que tu veuilles qu'il soit guidé. Non pas que tu sois insouciant de son état ou de sa situation. Il sent de toi du sentiment et de l'amour et que tu veuilles le guider. Deuxièmement,
كما قلنا في الخطبة السابقة وأؤكده deuxième chose c'est très important أن يرى منك وعليك أنك لا تحتاج إليه وأنك وأنه هو الناقص وأنت الكامل. Il faut qu'il voie de toi, il ne voit pas de la faiblesse ou un sentiment d'infériorité. Il faut que tu lui montres que c'est lui qui a besoin de toi, non pas toi qui a besoin de lui. هذا من أهم الأمور. Ça fait partie des choses les plus importantes في الدعوة إلى الله عز وجل. ثالثا, troisièmement, parmi les choses importantes, Allah يكون له عليك فضل. Il ne faut pas qu'il ait sur toi une faveur. Par exemple, qu'il t'ait passé de l'argent, ou alors qu'il t'ait rendu un service, ou ce genre de choses. لا بد أن تكون يعني لا تحتاج إليه البتة. Il ne faut pas que tu aies besoin de lui. ولا تبحث في ذلك مالا ولا جاها. Il ne faut pas que tu demandes par cela quelconque responsabilité ou quelconque argent. فلذلك كما في القرآن في كثير من الآيات dans beaucoup de versets du Coran الأنبياء والرسل les prophètes et les messagers يقولون ما أسألكم عليه أجرا قل لا أسألكم عليه أجرا. Je ne demande pas par cela نعم une récompense de votre part. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. Ma récompense n'est qu'auprès du serviteur de l'univers. نعم. Et que ce soit le prophète alayhi salam ou que ce soit les messagers, les prophètes dans le Coran en général, ils faisaient ça bénévolement, gratuitement. Et ça c'est très important parce que la personne lorsque tu l'appelles vers Allah et elle sait que toi tu prends de l'argent par cela ou que tu demandes quelque chose de matériel, elle ne va pas te croire. Elle va voir que tu n'es pas sincère ou alors il va avoir un manque de sincérité dans cela. نعم. وكذلك ونختم بهذا dernière chose, Allah يعيب عليك شيئا من الأمور. Ou amran min al-umur. Il ne faut pas qu'il voit en toi ou qu'il connaisse de toi quelque chose de mauvais ou un défaut. Malgré que tout le monde a des défauts. فالأنبياء والرسل كانوا أفضل أقوامهم وأفضل أقوامهم نسبا ودينا وسمتا وخلقا. Les prophètes et les messagers, c'était les gens les meilleurs parmi leur peuple. Que ce soit dans leur lignée, que ce soit dans leur descendance, que ce soit dans leur comportement, que ce soit dans leur religion, que ce soit dans leur honnêteté, ou toutes les choses. Ils n'avaient pas de quoi se reprocher. Wada muhim, mais ça c'est quelque chose d'important. Hatta la yabqa linnasi ala Allahi hujja. Afin qu'il ne reste pas pour ces gens-là que tu appelles vers l'islam, devant Allah, un argument le jour de la résurrection, et qu'ils disent, oui, mais cette personne, ce n'était quelqu'un qui n'était pas bien, il nous a appelé vers toi, ô Allah, mais c'était quelqu'un qui faisait des péchés, qui faisait des désobéissances, qui prenait de l'argent, qui volait, qui trichait. Non. Là, dans ce cas-là, ta da'wa, elle ne sera pas aussi utile que tu le prétends. Naam. فهذه بعض القواعد التي سردناها اليوم والخطبة الماضية فيما يتعلق بدعوة غير المسلمين إلى الله, وكما قلنا هو موضوع عظيم جليل كثير الفوائد ويحتاج إلى بحث طويل ودروس طويلة. Donc comme on a dit, c'est un sujet qui pourrait prendre beaucoup de khutbah et beaucoup de cours, et un sujet très important. Donc on se doit, inshallah azza wa jal, d'être les premiers à appeler vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ne cachons pas cette lumière qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée. Sachez que l'islam qu'Allah azza wa jal vous a donné est le trésor des cieux et de la terre. Appelez les autres vers ce trésor et vers cette lumière. رحمكم الله. نسأل الله العلي العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يعفو عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا, وثبت أقدامنا على صراطك, وثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات, وتب عليهم وعلينا رحمتك يا رب السماوات. اللهم لا تدع ذنبا إلا وقد غفرته, ولا مريضا إلا وقد عافيته, ولا ميتا إلا وقد رحمته, ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا إلا وقد قضيتها يا أكرم الأكرمين. عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الكريم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم, ولذكر الله أكبر, والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى الصلاة.